peu ça, changer sa relation avec nos émotions. C'est qu'on va changer la relation avec tout ce qui nous entoure. Et ça commence par les émotions, le mental aussi, et les sensations. Et donc, l'émotion, elle peut, tant qu'elle n'est pas expérimentée pleinement, elle se réfugie en nous. Ça s'appelle un jeu émotionnel chez nous. C'est-à-dire qu'elle va revenir sans arrêt. C'est-à-dire le petit garçon, là, le jeune garçon de 14 ans, chaque fois qu'il va passer de un grand 8 ou un truc qui le fait peur, il regarde même pas, quoi. Il fuit. Et l'autre, chaque fois qu'il va passer, il y a une sensation. Et c'est pas la peur elle-même, c'est vraiment la relation qu'on a avec la peur. Et la relation qu'on a avec nos émotions, c'est quelque chose qui vient de l'enfance. Donc moi, ce que j'invite aux gens, c'est à travers la communication, de changer nos relations avec nos émotions, avec nos sensations et avec nos pensées. En fait. Arrêtez de s'identifier à ça. Arrêtez de dire « je suis cette émotion, je suis cette pensée, je suis cette sensation ». C'est-à-dire faire l'expérience et jouer avec la relation. Et en fait, quand on commence à jouer avec la relation de nos sensations, nos émotions et nos pensées, ben on commence à voir que le monde, il n'est pas du tout ce que je croyais parce que j'arrête de m'identifier, donc j'arrête de projeter et je vais changer, toutes mes relations vont changer. Et on part d'outils de communication très, très simples. C'est-à-dire qu'au lieu de réagir, la réaction, c'est une identification, je réagis à l'émotion de l'autre, il est triste, je le console, je le rassure, etc. Et bien, au lieu de faire ça, je vais entrer et accompagner dans sa tristesse et du coup, là, j'ai plus la peur de son émotion, j'ai plus la peur de sa tristesse, j'en fais une amie. Et après, chaque fois qu'une émotion vient, moi, ben, si au lieu de réagir à l'émotion, c'est-à-dire de créer une autre émotion sur l'émotion, eh bien, je m'amuse à observer l'émotion, je vais m'apercevoir que derrière cette émotion, il y a un message. Et c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est arriver à capter le message derrière l'émotion. Hello tout le monde, ça me tenait à cœur de vous refaire une vidéo avec quelques extraits de l'interview que j'avais faite de Lionel Santucci, qui propose des stages en communication transformative. Et il y a des messages qui me semblent vraiment clés et très importants, et donc je voulais vous les remettre ici. Donc quelques extraits de l'interview. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager. À bientôt, ciao. Je suis pas trop le coach qui dit vous pouvez tout faire ce que vous voulez là. J'ai entendu des trucs, tout est possible. Je suis pas vraiment dans cette démarche. Je suis plutôt dans les marches de l'écoute et de danser avec la vie, quoi. Qu'est-ce que va nous proposer la vie? Être présent à la vie, en fait. Oui. Être présent. Ouais. Être conscient, être présent et présent, ouais, très présent. Et apprendre à répondre aussi à la vie. Pas réagir, quoi. Apprendre à répondre plutôt que réagir. Parce que quand j'ai jugé le sage, le vieux sage, je l'ai jugé, j'ai dit les vieux et tout, ça c'est une réaction. Mais comme le sage, il est sage, sa bénédiction est plus forte que la réaction. C'est fort les bénédictions. Quand quelqu'un dit du bien de vous, bénédiction bien de vous, ben, ça influence. Ça fait du bien et ça amène la personne à vivre quelque chose. Pour ça, les enfants, quand on dit du bien des enfants, ils se développent vachement bien, ils évoluent très très bien. Quand on dit du mal de quelqu'un, ben, c'est l'inverse, on appelle une malédiction, quoi. Donc oui, il y a des gens qui envoient des bénédictions et malgré notre volonté, ça nous amène à vivre notre maximum, enfin notre maximum de notre potentiel, quoi, dans le bien, dans le meilleur, je pense. Et les malédictions, c'est l'inverse. Ça nous amène à vivre notre potentiel, mais dans le moins bon, quoi, parce qu'on a les deux côtés. Donc disons du bien des gens et la Terre va changer, la planète va changer. Une sorte, en fait, de ce que j'entends, une sorte d'honnêteté. D'authenticité, d'honnêteté mêlée à effectivement, ouais, de dire du bien, valoriser le positif, tout en étant en fait honnête, tout en étant oui, il ne s'agit pas de dire à un voleur honnête, quoi, voilà. T'as même bien dire, écoute, c'est pas terrible ce que tu fais, on peut peut-être voir comment on peut changer ça, mais pas le maudire, quoi. L'idée de la communication transformative, c'est pas de fuir la souffrance, d'y faire face. Et du coup, ben, c'est le même travail partout, apprendre à faire face, mais les techniques de survie ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, en France, on a une super technique de survie, c'est avoir raison. C'est-à-dire que la plupart de notre culture est basée sur « je veux avoir raison ». Donc, les gens argumentent, on le voit dans les débats politiques, tout le monde veut avoir raison, même dans les débats de la journée, au bar du coin, au café, et tout, c'est avoir raison. Moi, j'ai raison. C'est parfois plus important d'avoir raison que d'avoir des amis ou recevoir de l'amour. Parce qu'il y a une histoire d'ego là-dedans. Donc, c'est une stratégie de survie très forte chez les Français. C'est très intellectuel. On va chercher plein de choses pour avoir raison. Quand je faisais des séminaires en Colombie, alors, c'est pas avoir raison, mais c'est plutôt être apprécié au regard de l'autre. C'est-à-dire faire bonne figure, en fait. Donc, ce qui est important, c'est faire bonne figure, être jugé comme quelqu'un de bien ou de beau. Donc, c'est beaucoup sur l'apparence, faire bonne figure. On l'a aussi en France.
Mais ce que j'avais remarqué, c'était beaucoup plus développé en Amérique du Sud. C'est moins avoir raison, nous, c'est avoir raison. Donc, il y a différentes stratégies de survie selon les cultures. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Tiens, il y a une stratégie différente. Et c'est sûr que moi, en tant que... Puisque j'ai été éduqué en France, quand je vais en Amérique du Sud et je vois ce truc de faire bonne figure, ça me fait sourire parce que moi, ce serait plutôt français avoir raison. Mais en même temps, c'est très fort, quoi, ces conditionnements. Donc, c'est intéressant de changer de culture justement pour voir ces différentes stratégies culturelles qu'on a mises en place pour survivre, quoi, pour éviter de souffrir, en fait. Parce que avoir raison ou faire bonne figure, c'est souvent pour éviter de souffrir, pour être aimé, apprécié, etc. Alors, en fait, ça ne marche pas très bien, mais on a développé des stratégies qui ne fonctionnent pas, mais on est tellement attaché à la stratégie, au dogme, qu'on continue, même si ça ne marche pas. Donc, dans chaque culture, il y a quelque chose à déceler là-dedans, dans les différents dogmes. J'avais fait un séminaire en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, il y avait un truc intéressant aussi, c'était... On disait emotionless, c'est-à-dire les gens ne montrent pas l'émotion. C'est très, on dirait qu'il n'y en a pas, quoi. C'est un peu comme en Angleterre. Donc là, j'appelle cette stratégie, je l'appelle soit éviter l'émotion, soit faire semblant de contrôler les émotions. Parce que si je réprime mes émotions, je les enfouis en moi. Toi, comme, je donne souvent l'exemple du ballon de plage. Tu prends un ballon de plage, c'est des gros ballons, tu essaies de le mettre sous l'eau, puis l'essayer de sortir à droite, sortir à gauche. Et puis tu penses que tu contrôles. Mais en fait, c'est le ballon qui te contrôle. Donc, il y a plein de gens qui répriment leurs émotions et qui pensent qu'ils maîtrisent. Donc, ils ont un faciès très sobre et tout. Mais à l'intérieur, il y a plein de choses qui se passent. Je connais des gens comme ça qui disent des ulcères d'anxiété. C'est des gens très zen, très paisibles à l'extérieur. Donc, ça, c'est une stratégie de survie aussi. Faire imaginer, croire que je contrôle mes émotions en les réprimant. Ça, c'était très présent en Nouvelle-Zélande. Les gens, ils arrivaient, c'est comme s'il n'y avait rien. Au bout de 2-3 jours de séminaire, ça pétait partout parce qu'il y a tellement d'émotions, de colère, de rage enfouies à l'intérieur que quand ça sort, ça fait un truc avec beaucoup d'énergie. Donc, il y a différentes. Il y en a une quatrième, il y a éviter l'émotion et penser, croire que je contrôle l'émotion. C'est un peu les deux mêmes, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Il y en a un qui l'évite, c'est-à-dire dès qu'il y a une émotion, il va faire le clown. Il va sortir un masque intellectuel, j'évite l'émotion. Et il y a l'autre qui en a tellement qu'il les aime, tu vois, il n'y a pas une émotion. Donc, ces différentes stratégies, je les retrouve dans différentes cultures. Très intéressant. On n'a pas les mêmes cultures, donc pas les mêmes stratégies de gérer nos émotions. Et ça en fait partie, mais moi, ce qui me vient, c'est l'addiction. Moi, dans mon parcours de vie, je vois bien que, l'addiction, elle suit, on va dire. C'est un symptôme. Le fait d'éviter l'émotion fait qu'au bout d'un moment, il y a quand même une sorte d'angoisse. Enfin, moi, je parle de mon expérience. Il y a une sorte d'angoisse latente. Et pour surtout pas voir l'angoisse, il y a consommation, quoi. Alors après, ça dépend des gens. Moi, c'était la nourriture. Il y en a, ça va être l'alcool. Enfin, on se réfugie quand même facilement dans la distraction et dans des consommations, quoi. Et ce que tu disais dans un des stages, je me souviens, c'est qu'en fait, on a besoin de se nourrir d'énergie. Et comme ne pas être nous-mêmes, ça nous consomme beaucoup d'énergie, en fait, de porter ces masques. Et le fait de cette consommation d'énergie, il faut en récupérer, en récupérer, en récupérer. D'où le fait de consommer beaucoup de distractions, d'alcool, de plein de choses, quoi. Et ça, c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué, cette idée que on a besoin d'énergie et c'est pas au départ, c'est pas pour se détruire qu'on part dans des consommations excessives. C'est pour en fait justement retrouver cette énergie qu'on a de manière naturelle, de manière vitale, si on est entre guillemets nous-mêmes, si on est authentique et qu'on accepte de retirer le masque et de regarder un peu en face toutes ces émotions, de se livrer à l'autre, en fait. C'est ça, moi, dans ton enseignement que j'ai retenu, c'est la puissance d'oser se livrer plutôt que d'être dans la rétraction et d'essayer de donner une belle image. Ouais, ça rejoint la bonne figure dans mon vécu. Ouais, parce que j'ai décrit 4 stratégies de survie. Après, ces 4 stratégies de survie... Elles demandent beaucoup d'énergie et puis elles sont inconscientes. Hein, pour la plupart d'entre nous, elles sont inconscientes. Puis l'idée, c'est que le monde, ce monde dans lequel on vit, il est douloureux en fait. Donc déjà, la naissance est douloureuse, mais on a oublié. Et puis il y a toutes les contraintes, en fait, qu'elles soient mentales, les contraintes, qu'elles soient physiques, la maladie, qu'elles soient venant d'une autre personne, mon voisin qui me fait de la musique toute la nuit, qu'elles soient du climat, un tsunami ou un ouragan ou la pluie,
faut se protéger, on doit chauffer les maisons. Il y a énormément de contraintes, en fait, pour l'être humain de vivre sur cette planète. Il y a beaucoup de contraintes, puis il y a la maladie, la vieillesse, la mort, les souffrances qui viennent de l'extérieur. On n'a pas envie, on est intelligent, donc on n'a pas envie de vivre ça. Donc l'humain a développé des stratégies pour éviter de se confronter à ces souffrances. Donc la stratégie, ben, c'est simple, c'est échapper. Donc pour échapper, il y a tous les produits déjà, drogue, alcool, tous ces trucs qui peuvent nous permettre d'échapper à la réalité. Enfin, penser échapper à la réalité parce qu'il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Après, il y a tout ce qui est travail. Par exemple, les gens vont travailler, s'identifier complètement au travail. Puis, le jour de la retraite, ils meurent d'un cancer parce qu'ils sont tellement… Il faut travailler, quoi. C'est ce qui leur permet d'échapper à la souffrance. Et ça accumule. C'est-à-dire que toutes les souffrances sont réprimées et cachées derrière l'action. Ça peut être, tu parlais de manger, la boulimie, l'anorexie. Toutes ces choses qui vont faire que quand je suis face à ce monde qui me fait souffrir, qui génère de l'angoisse, qui génère de la dépression, qui génère une perte de sens aussi, eh bien, je vais lutter contre ça en utilisant des produits ou en devenant accro, enfin mangeant, buvant, fumant, travaillant, sexe aussi, beaucoup de sexe. Donc, toutes ces choses ont leur place, manger, dormir, etc. Ça a sa place dans la vie. Mais si je dors trop, je ne fais que dormir. Là, c'est des techniques de survie, en fait. C'est des techniques pour éviter de se confronter. En fait, puisque c'est dur, je vais éviter la souffrance et je vais aller me réfugier dans des dépendances, en fait, qu'elles soient physique, psychologique, mental, etc. Et une fois que je suis dans ces dépendances, c'est très dur d'en sortir parce que ce sont des habitudes que l'on crée. Donc, il y a plein de groupes qui aident les gens à sortir de la dépendance, que ce soit les alcooliques anonymes, il y en a d'autres aussi. Mais la plupart d'entre nous, êtres humains, on est là-dedans. La plupart parce qu'on ne veut pas faire face. Et moi, j'adore un livre qui s'appelle « La Bhagavad Gita ». Et en fait, la Bhagavad Gita, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Arjuna et qui va se retrouver face au combat de la vie, en face à ses souffrances, à ses attachements, à tout ce que je disais tout à l'heure. Et il va vouloir se débiner. Hein. Il va dire, ouais, moi, je vais dans la forêt, je vais faire de la méditation. Alors, même la spiritualité, c'est un super piège pour se débiner aussi. Je parle pas de la... Bien. Ouais. Donc, il va trouver une technique. Et là, pas de bol, à côté de lui, il y a quelqu'un qui s'appelle Krishna qui représente le divin, quoi. Un être divin, Dieu, et qui lui dit, tu vas pas te débiner, tu vas combattre. Et là, le gars, Arjuna, il commence à justifier. Il a raison, toi. Je sais pas, il n'est pas français, mais il veut avoir raison. Donc, il justifie avec tous les écrits religieux comme quoi il ne faut pas combattre. C'est violent de combattre. Il y a même des gens qui pensent que la Bhagavad Gita, c'est un ouvrage violent. Et en fait, Krishna va lui expliquer, non, la violence, c'est de ne pas faire ton devoir, c'est de ne pas combattre. Et toute ta religion, là, tu la mets à la poubelle et tu fais ton devoir en dédiant tes actions à moi, enfin, en dédiant tes actions au divin. Et c'est une autre perspective, c'est-à-dire au lieu de s'échapper avec la drogue, sexe, rock'n'roll, là, faire face à la vie et dédier ses actions à quelque chose de plus grand que nous. Alors, plus grand, ça peut être la nature, ça peut être… Il y en a, c'est le respect de la nature, il y en a, c'est je ne sais pas, il y en a, c'est Dieu, en fait, il s'adresse à Dieu directement, une connexion spéciale. Ça peut être tout ce qui est plus grand que nous, en fait. Ça peut être l'autre être humain aussi, se dédier à l'autre être humain, à faire du bien, etc. Donc, il y a plusieurs techniques qui nous permettent de faire face à cette souffrance qu'on ne peut pas éviter et en même temps, servir quelque chose de plus grand, c'est-à-dire avoir un sens, trouver un sens. Et le problème de notre société actuellement, c'est qu'on n'a plus ces sens-là. Donc, on est déconnecté, quoi. On est sur nos écrans, comme maintenant. Et du coup, bon, moi, ça va. Derrière moi, il y a toutes les arbres. J'habite dans la forêt. Donc, quand je parle, je regarde les arbres. Et quand je parle de plus grand, je regarde les arbres. Et si les gens pouvaient retrouver un sens, bah, justement, de servir quelque chose de plus grand, je pense qu'il y aurait pas mal de problèmes d'addiction qui s'arrêteraient. Et aussi, je voudrais dire un truc, c'est qu'en France, je ne sais pas si on l'est encore, mais on a été les plus grands consommateurs d'antidépresseurs. Ça veut dire on est des sacrés fuyards quoi, face à la dépression, face à la perte de sens, on prend des cachets. Quoi. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de prendre des cachets, ça peut être temporairement utile pour passer une crise, ouais. Mais si ça devient une habitude à vie, alors là, il y a un problème qui est plus sérieux. Quoi. Surtout que ces produits souvent génèrent d'autres problèmes psychologiques ou psychiatriques beaucoup plus graves. Donc oui, il y a, l'addiction est intéressante à aller voir. C'est un symptôme. C'est un symptôme. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas accros à quelque chose. Je ne sais pas. Mmh. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont vraiment libres de l'addiction, qui sont vraiment dans un état où ils font face. Enfin, je ne sais pas s'il y en a. Je sais qu'il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart d'entre nous, on est dans cette fuite permanente. C'est-à-dire qu'on utilise notre intelligence pour fuir la réalité plutôt que pour servir cette réalité et faire quelque chose de plus grand. Oui, ce que tu viens de dire, ça me fait penser aux émotions. Finalement, une émotion, elle n'a rien de nocif en soi, mais quand elle est soit étouffée, réprimée, soit qu'elle devient carrément quelque chose qui s'installe, un comportement qui devient presque
une sorte de personnalité, en quelque sorte. Je ne sais pas, ça peut être la colère, ça peut être plein de choses, ou une tristesse lancinante, une mélancolie, enfin, des choses dans lesquelles on reste enfermé. C'est là où ça devient pernicieux, en fait. Donc, en fait, ce que j'entends dans ton discours, c'est que finalement, tout a sa place, mais pour être vraiment pleinement en vie, le tout, c'est que ça bouge, c'est que ce soit en mouvement, c'est que ce ne soit pas ni une stratégie de survie, ni engrainé comme un truc qu'on porte qui est devenu une seconde peau, en quelque sorte. En fait. Ça fait vraiment penser le à ça. Monde L'intelligence émotionnelle émotionnel dont tu parles hier dans l'atelier Zoom, là, tu as beaucoup parlé de l'intelligence émotionnelle et je trouvais que c'était vraiment hyper oui. important parce que les émotions, on ne sait pas quoi en foutre, on ne nous apprend pas quand on est petit. Après, soit on les a réprimées, soit elles sont hyper présentes, mais en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles viennent faire dans notre vie. Que si on commence à comprendre qu'effectivement, c'est de l'information et que ça nous parle de nous et que ça, à la fois, ça rend la vie vivante et en même temps, ça nous donne des infos sur nous, ça devient. On a beaucoup plus envie de plonger dans la vie, en fait, puisqu'on a moins peur des émotions. On se dit, bon, bah là, je risque de vivre. Telle ou telle ou telle émotion, je vais aller à la rencontre de ça, tout comme on va à la rencontre de l'autre, c'est ce que tu enseignes, tu veux vraiment en présence à la rencontre de l'autre. Et du coup, bah il y a beaucoup moins, je pense que, enfin, je parle pour moi, il y a beaucoup moins de peur maintenant, il y en a encore beaucoup, mais il y a beaucoup moins de peur maintenant d'aller vivre des choses parce que je me dis, je vais aller sans doute me confronter à des émotions. Et en même temps, je peux y survivre. Si j'accepte l'émotion, elle ne fera que passer. Elle ne va pas me détruire. Et en même temps, c'est justement parce que j'accepte ce passage de l'émotion et de la vivre qu'il va pouvoir y avoir des choses qui vont, des choses que j'aurais jamais pu vivre ou ressentir, qui vont aussi émerger. C'est-à-dire, tu ouvres le canal de OK, j'accepte d'aller regarder mon chagrin que je traîne depuis longtemps, j'accepte d'aller regarder ma colère là, qui est là depuis mon ressentiment. Moi, c'était beaucoup le ressentiment. J'accepte d'aller les regarder en face et j'ai hyper peur parce que j'ai l'impression que je vais me noyer dedans et quand j'ouvre le canal et ben ça ouvre en même temps plein d'autres trucs super. Ça ouvre pas que le canal de la douleur, que le canal d'un truc qui t'as l'impression que tu vas en crever quoi. Et ben en fait non. Et c'est cette acceptation de plonger dedans qui dure, qui est super difficile parce que ouais, c'est un abandon, tu as l'impression que tu vas mourir, vraiment, ça relève de la survie. Moi, une de mes grandes difficultés, c'est le mal à l'aise, par exemple. C'est un truc, quand ça me prend le mal à l'aise face aux gens, mais j'ai envie de me foutre dans un trou de souris et c'est infernal. Alors que je risque pas d'en mourir, ou pire, qu'est-ce qui va m'arriver? On va se foutre de moi, ou je sais pas quoi. Enfin, je risque rien de mortel. Et pourtant, c'est comme un gouffre, c'est ressenti comme un gouffre. Et tant qu'on plonge pas, enfin, je vais dire je, parce qu'il faut parler en son nom. Tant que je plonge pas, je peux jamais découvrir que, et d'une, ça ne me tue pas, et de deux, ça peut ouvrir plein d'opportunités. Et en plus, ça ouvre les opportunités, dans mon expérience, aux autres. Parce que si moi, j'accepte ma vulnérabilité, eh ben, l'autre, il va pouvoir avoir accès à la sienne. Et ça, mais waouh, ben, on n'a pas grand-chose à perdre, en fait. Ouais, ce que j'ai entendu que tu disais qui m'a touché, c'est-à-dire avoir peur des émotions. Ça veut dire qu'on a une relation avec nos émotions. En fait, ce monde est un monde de relations. On est en perpétuelle relation avec tout ce qui nous entoure, et avec nos émotions, et avec notre mental, et avec nos sensations. En fait, l'idée de la communication transformative, c'est transformer notre relation avec ce qu'on n'est pas, en fait. Et c'est pas de nous transformer nous-mêmes, parce que moi, je suis qui je suis, je vais pas changer, vraiment. Il y a peut-être des comportements qui peuvent changer, ou pas, mais l'idée c'est de transformer la relation. Et donc, si j'ai peur de l'émotion, si j'ai peur de la peur, souvent je donne l'exemple d'un enfant qui passe devant un grand 8, il est avec son copain, ils ont 15, 14 ans, on va dire, ou adolescent, puis il y en a un qui dit, on y va, ça va être super, le grand 8. Et l'autre il dit, non, jamais ça. Donc, il y en a un qui est excité par la peur, c'est-à-dire qui sait qu'il va avoir peur dans le grand 8, ça l'excite, sinon il irait pas, il se passait rien. Donc, il y a une émotion de peur aussi. Mais cette peur l'excite, ça lui donne de l'excitation. Et l'autre, il a peur de la peur, donc il ne veut pas se confronter à la peur. Donc, c'est deux relations différentes. J'ai peur de ma peur ou ma peur m'excite. Et en fait, quand on a une relation avec la peur de la peur, c'est-à-dire j'ai peur de ma peur, et ben je fais rien dans ma vie. Je fais pas grand-chose, je suis très limité parce que dès que quelque chose me fait peur, je le fais pas. Alors que si ça m'excite, ben, dès que j'ai peur, je suis super, j'y vais. Et c'est un peu ça, changer sa relation avec nos émotions.
C'est qu'on va changer la relation avec tout ce qui nous entoure. Et ça commence par les émotions, le mental aussi, et les sensations. Et donc, l'émotion, elle peut, tant qu'elle n'est pas expérimentée pleinement, elle se réfugie en nous. Ça s'appelle un jeu émotionnel chez nous, c'est-à-dire qu'elle va revenir sans arrêt. C'est-à-dire le petit garçon, là, le jeune garçon de 14 ans, chaque fois qu'il va passer de un grand 8 ou un truc qui le fait peur, il ne regarde même pas, quoi. Il fuit. Et l'autre, chaque fois qu'il va passer, il va, waouh, il y a une sensation. Et c'est pas la peur elle-même, c'est vraiment la relation qu'on a avec la peur. Et la relation qu'on a avec nos émotions, c'est quelque chose qui vient de l'enfance. Donc moi, ce que j'invite aux gens, c'est à travers la communication, de changer nos relations avec nos émotions, avec nos sensations et avec nos pensées. En fait. Arrêtez de s'identifier à ça. Arrêtez de dire, je suis cette émotion, je suis cette pensée, je suis cette sensation. C'est-à-dire en faire l'expérience et jouer avec la relation. Et en fait, quand on commence à jouer avec la relation de nos sensations, nos émotions, et nos pensées, ben on commence à voir que le monde, il n'est pas du tout ce que je croyais parce que j'arrête de m'identifier, donc j'arrête de projeter et je vais changer, toutes mes relations vont changer. Et on part d'outils de communication très, très simples. C'est-à-dire qu'au lieu de réagir, la réaction, c'est une identification, je réagis à l'émotion de l'autre, il est triste, je le console, je le rassure, etc. Et ben, au lieu de faire ça, je vais entrer et accompagner dans sa tristesse et du coup, là, j'ai plus la peur de son émotion, j'ai plus la peur de sa tristesse, j'en fais une amie. Et après, chaque fois qu'une émotion vient, moi, ben, si au lieu de réagir à l'émotion, c'est-à-dire de créer une autre émotion sur l'émotion, eh bien, je m'amuse à observer l'émotion, je vais m'apercevoir que derrière cette émotion, il y a un message. Et c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est arriver à capter le message derrière l'émotion. Alors, d'abord vient l'émotion, et laisser faire l'émotion, la traverser pour voir quel est le message. Par exemple, un exemple qui est souvent courant, c'est j'ai peur d'arriver en retard, donc je stresse, etc. Donc le stress, si je le observe, je vais avoir ce stress, il me dit hey, lève-toi plus tôt si tu ne veux pas être en retard demain. Mais si je vis que le stress, eh ben je passe ma vie dans le stress et je transforme rien. Si je commence à écouter le stress qui me dit tu es encore en retard et tu stresses, eh ben je vais peut-être me lever plus tôt le matin, me coucher peut-être plus tôt le soir. En fait, je vais tout changer. Ça va transformer complètement ma relation avec mon expérience de vie. Donc c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est écouter l'émotion, arriver à l'écouter, parce que déjà c'est pas facile d'arriver à l'écouter parce que c'est tellement fort parfois, et voir le message qu'il y a derrière, plutôt que la fuir en prenant des drogues ou en échappant, etc. Faire face, traverser. Et dans les séminaires, j'apprends aux gens à faire ça en groupe parce que quand on est plusieurs, c'est plus facile quand on est accompagné. Et j'apprends aux gens à accompagner les autres et à s'accompagner eux-mêmes. Et c'est ça l'idée, c'est de traverser l'émotion et voir l'intelligence qu'il y a derrière. Et on l'a tous. On a différentes formes d'intelligence, mais on l'a tous. Tous, on a des émotions et tous, on reçoit des messages. Mais parfois, c'est tellement d'habitude de refuser ces émotions, d'en avoir peur. Parfois, il y a des émotions comme la honte et la culpabilité. J'ai vu des gens qui avaient honte d'avoir honte. C'est-à-dire qu'ils ne disaient pas qu'ils avaient honte parce que dire comme j'ai honte, c'est très masculin. Ça. Ils se sont aperçus que dans une voiture, il y avait des hommes. Et bien, on se tuait beaucoup plus que dans une voiture où il y avait des hommes et des femmes parce que l'homme a peur de dire qu'il a peur. Il a honte de dire qu'il a peur. C'est-à-dire qu'il a honte de sa peur, l'homme, en tant que mâle, l'être homme masculin. Et donc, quand il y a quatre mecs dans une bagnole qui sont un peu bourrés, qui sortent de boîte de nuit et tout, même si le gars il conduit vite et que les trois mecs à côté, ils ont peur, ils ne le disent pas parce qu'ils ont honte de la peur. Ouais. Alors qu'une femme n'a pas cette honte de la peur. Elle va dire, tu conduis moins vite, moi j'ai peur. Donc, c'est marrant. Donc, on se tue beaucoup moins souvent quand il y a des femmes dans une voiture avec alcool, sortie de boîte, etc., des conditions particulières, que quand il n'y a que des hommes. Donc, c'est marrant. La relation aussi avec nos émotions dépend de notre conditionnement au niveau de notre genre. C'est très intéressant. Très, très ça intéressant. Fait c'est que à... du conditionnement. C'est que du conditionnement. Il n'y a rien d'absolu là-dedans. Ouais, ça me fait penser en comparaison avec ce que tu dis par rapport aux hommes. Moi, de mon expérience, la colère chez les femmes, elle est mal vue. On passe vite pour une hystérique quand on hausse la voix, quand on est en colère. Arrête de faire ton hystérique. Ou t'es laide quand tu te mets en colère. T'es pas belle. Oui. Ouais. Beaucoup entendu ça, des femmes qui auraient fait leur colère parce qu'enfant, le père, ils disaient t'es laide quand t'es en colère. Oui, nous, on a peur de, en tant qu'homme, je veux dire, masculin, une sorte de peur de la vulnérabilité, de pleurer. Quand c'était petit, on disait un homme, ça pleure pas. Je sais pas si on le dit encore aujourd'hui. Si. Mais la femme, c'est ça qui est en colère. Une femme, ça dit pas des gros mots. Ouais, il y a des conditionnements. Si, moi, on va réprimer les émotions par rapport à notre éducation. Si je suis un homme, je vais réprimer ma vulnérabilité. Il faut pas que je sois vulnérable, que je pleure. Si je suis une femme, il faut pas que je me mette en colère. Sinon, je suis pas belle. C'est notre relation avec les émotions est déclenchée par l'éducation qu'on a. Donc, selon les pays aussi. Donc, ouais, ça demande du courage et ça demande aussi de l'humilité. Parce que nous, en tant que bons Français, ça demanderait une remise en question. Et qui dit se remettre en question, dit arrêter d'être... Enfin, on accepte de ne pas avoir raison si on se remet en question. Moi, je dis que ça demande la grâce. C'est-à-dire que
Parce que je me suis toujours demandé pourquoi tout le monde ne fait pas ce travail, ça changerait la planète. Et ben, je pense que les gens qui font ce travail, ils reçoivent quelque chose. Il y a une sorte de quelque chose qui les touche, sorte de grâce, et à moi, ils disent, ouais, je veux changer ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et après, le courage, il vient, mais il y a quelque chose qui éveille les gens. Je ne sais pas ce que c'est assez mystérieux. Il y a un... Je ne vais pas raconter. Je suis en train d'écrire un livre et je parle de ça. Il y a toutes les responsabilités de l'être humain, il y a tout ce qu'on fait, mais il y a une autre volonté que la nôtre. Et je ne sais pas comment on l'appelait. Bon, il y en a qui l'appellent Dieu, peu importe comment on l'appelle, la force, l'univers, la source. Mais il y a quelque chose qui a une volonté qui est plus grande et il y a des gens, d'un coup, qui se disent, ah, j'ai besoin de travailler sur moi, sur ça. Et il y a des gens jamais. Donc, pourquoi il y a des gens qui. Et ce n'est pas forcément un milieu d'éducation, etc. Il y a quelque chose. Et je crois qu'il y a quelque chose qui vient réveiller les gens, et une fois qu'ils sont réveillés, ils ne peuvent pas s'arrêter, quoi. Et même le Covid, moi, je viens de me choper un Covid, ça m'a vraiment réveillé sur plein de choses sur moi. Donc, même la maladie, elle vient dire des choses. Donc, toute la vie, si quelqu'un est à l'écoute, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur l'écoute. Si quelqu'un est à l'écoute, il va entendre qu'il y a quelque chose qui nous envoie des messages sans arrêt pour nous dire comment avancer, etc. Mais je ne sais pas ce que c'est. Il y en a qui l'appellent Dieu. Bon, c'est un principe, c'est un concept. Mais il y a quelque chose qui vient réveiller les gens des fois, mais pas tous.